Salut tout le monde, c'est Paika. Bon, ben j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et de fêtes de Nouvel An, enfin tout le tralala quoi. Comment dire, bon déjà je suis désolé. Bon, j'espère que vous me comprendrez par la suite, hein. Je vais vous expliquer tout ça, hein, de pourquoi j'ai pas sorti de vidéo pendant 2-3 semaines je crois. J'étais pas mal inactif on va dire sur les réseaux, sur tout ça, donc je m'en excuse d'avance. C'est que voilà, comme vous avez pu le voir, je me suis fait voler la moto. Donc forcément ça met un petit coup au moral, on va pas se le cacher, hein. Enfin bref, on va venir dans un second temps. Déjà, avant de commencer les gars, je voulais remercier Pégase. C'est grâce à eux que j'ai pu retrouver ma moto. Quand elle s'est faite voler, ben voilà, j'ai appelé la police et je leur ai dit ma moto elle est ici, voilà, enfin bref, après la procédure a été enclenchée, patati patata. Du coup voilà, ils ont pu retrouver ma moto. Un peu abîmée, il y a clignotant arrière pété, frotté à droite et à gauche, parce que dans le camion ils l'ont pas attaché ou je sais pas ce qu'ils ont fait, bref, elle a tapé un peu de partout, le sélecteur il est plié, il y a le T de fourche, il est mort carrément, il a été arraché on va dire. Le Neyman il est cassé aussi, donc il y a plein de trucs à changer. L'expert il devrait passer bientôt, enfin bref, c'est en cours, on va dire que c'est en cours. Donc bientôt j'aurai une moto on va dire un peu neuve, je l'espère, mais voilà, c'est un peu compliqué. Donc franchement merci Pégase, si vous regardez la vidéo, ce que je pense qu'ils vont faire. Je passe ou je passe pas là? Ça passe. Merci beaucoup Pégase, parce que grâce à eux, grâce à ce partenariat qui date un peu, mais grâce à eux j'ai pu retrouver ma moto, la garder, même si elle est un peu endommagée, c'est pas très grave. C'est, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est ta moto, tu vois, t'as trimé pendant X années pour l'avoir. Moi, tu vois, j'ai fait un crédit dessus pour l'acheter, donc tu vois, la voir partir sur l'application Pégase, ben ça fait mal, tu vois. C'est comme si une partie de toi, c'est con hein, mais c'est comme si une partie de toi elle partait comme ça, genre je ne sais où, je vois, enfin bref. Et elle a été retrouvée, ça a été un moment jouissif un peu dans ce malheur on va dire. Je vais payer une franchise de malade tu vois, mais bon c'est pas grave, au moins la moto elle sera réparée et tout va bien se passer. Et du coup ouais, pour en revenir au fait que je fais pas de vidéo, bah, ça m'a mis un peu un blues on va dire, un petit coup de mou sur tout ça, parce que voilà, déjà ça allait pas trop bien on va dire dans ma vie personnelle, tu vois, voilà, le Mac sur lequel je fais mes vidéos, je l'ai cassé un peu, enfin en fait j'ai voulu réparer quelque chose et il y a de la glu qui est tombée dessus, donc le Mac il est un peu mort, je peux plus trop m'en servir, donc forcément c'est compliqué de faire des vidéos. Enfin, après voilà, la moto, enfin bref, tu vois, il y a dans ma vie aussi personnelle c'était un peu compliqué aussi, donc pas trop la motivation de faire des vidéos si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, tout ce que je peux te dire c'est que pour l'année 2021 frérot, ça va être du très lourd. Et j'ai envie de partager ça parce que ça va être un peu exceptionnel, tu vois, pour moi. Il va y avoir un nouveau kit déco pour la moto. Donc va changer de look. Je vais faire des concours abonnés pour faire gagner des pulls. C'est un peu un truc nouveau pour moi, tu vois. Je dis pas qu'il y a de boutique ou quoi, tu vois, mais c'est juste que voilà, j'ai eu pas mal de demandes de personnes. Ouais, tu les mets en vente, est-ce que t'as une boutique, est-ce que patati patata. Non, j'ai pas de boutique, mais je vais faire des concours pour en gagner, ça serait sympa. Sachez que tout va rentrer dans l'ordre, du moins j'espère. Ça va bien se passer, l'année 2021 elle va être magnifique, j'espère aussi. L'année 2020 elle a bien commencé on va dire niveau abonnés. Après il y a eu le corona, après il y a eu tout ce bordel, bref on n'en finissait plus, tu vois. Après voilà, le Mac, la moto, les problèmes perso, enfin bref, c'était une année un peu compliquée, tu vois. Je voulais vous remercier encore de me suivre, c'est juste au top. Vous êtes vraiment merveilleux. Je sais pas quoi vous dire parce que c'est un peu. Je fais cette vidéo un peu à chaud parce que voilà, ça me faisait chier de pas vous expliquer parce que je reçois pas mal de messages en mode ouais, tu sors plus de vidéos, t'arrêtes YouTube, patati, patata. Enfin non, j'arrête pas YouTube, mais c'est juste que voilà, dans ma vie, c'est pas la joie. Donc forcément, ça afflue sur YouTube aussi, tu vois. Mais bon, tout va rentrer en l'ordre, tout va bien se passer. On va retrouver, enfin, je vais retrouver une moto neuve. Presque neuve on va dire, une moto avec un nouveau kit déco plus magnifique, plus ça va envoyer du lourd, donc restez connectés, ça va bombarder. Et voilà, encore merci à Pégase, merci aux policiers et à la BAC qui ont intervenu pour la récupération de ma moto, c'était juste ouf. Je vais pas trop faire une vidéo longue tu vois, mais voilà, je voulais vous remercier encore une fois même si je fais que ça.
Et portez-vous bien, c'était Paika. Moi je vous fais de très gros bisous. Et de toute façon voilà, l'année 2021 frérot, ça va envoyer du lourd, je peux te le garantir. Je pense que je reviendrai je sais pas, mais je vais revenir, vous inquiétez pas, je vous le promets, je vais revenir en force, plus remonté que jamais, avec voilà de nouvelles balades, de nouveaux trucs, les rencontres abonnés, bref, je vais pas trop en parler, mais voilà, donc prenez soin de vous, c'était Paika, et au fait, j'ai cassé aussi la béquille, enfin le ressort de la béquille, enfin bref, que des merdes. L'année 2021 pourrie quoi. Enfin 2020 pardon, pourrie, donc bon bref. Gros bisous, c'était Paika et ciao. Et non, je fais pas d'ouling, j'arrête. Enfin voilà. Allez, la bise.